très grave. Il y a un homme qui a été un homme charnel. Donc, il y a un mutu, mais il y a un homme charnel. Donc, un homme charnel, il y a un mutu. Donc, il y a un peu de temps dans ma cambo. Il y a un peu de temps dans ma sanga, dans ma cambo. Il est facile comme ça de coucher dans moi, à coucher dans le cognon surtout. Donc, c'est très dangereux. Moto yo tangi wana zo yao et les États-Unis d'Amérique bango nde ba so contrôler monde bango nde ba dirigeant donc Vatican peut diriger monde si bango mon conseil église wana bango nde ba dirigeant monde bango nde baza ba ils ont pris même nos autorités en otage ba zume ba considérer ça en otage l'Afrique en otage ba so dicter bango ba zu ba richesse en boka ba confisquer et Dieu m'a dit quoi lui Dieu m'a dit à lui église n'est pas censé il y a qu'à récupérer l'héritage, il y a qu'à songer le peuple congolais. Église, il y a qu'à déranger Bandimi, il y a qu'à escroquer, il y a qu'à intimider Bandimi, il y a qu'à tout ça. Parce que Dieu a passé à la vitesse supérieure. Vous allez voir ce qui va se passer. Dans mon cercueil, mon est limité. Il y a un pasteur qui est limité. On le dit, cercueil, mon est limité. Il y a un pasteur qui est limité. Il y a la vision. Oh, il voilà. A l'axini. Il a l'axini. Koufezali. Bang, batouan, il faut se repentir. Bah, l'oukanzambe, sincèrement. Bati, qu'on soit bandimé en otage. Koti kaka, pou nan nan mon vision. Vision nan nan mon nan zoka, bah, kake zo bêta. Bah, kake zo bêta, nan ota mon nan zina nan zo loukame. Bah, kake yon zo outable. Zo bou, 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 bou. Pou nan ki fwe bah, loba. La voix commençait à me dire, abi mboka na bino. Ezali mboko nga mboko na poni. Mais bah quand j'ai beaucoup d'habitants au bas ligne au sale le coyo nan a zolo bâti et soudain à moni il est tiba enlevé nga spirituellement bou na mati likolo dans la mati likongo likolo na moni carte RDC ça traversé par le fleuve bande outi na katanga ti na Lubumbashi et traversé bien moni na bina moni abi ba soda nanga ba kokita ah qui sont mes serviteurs fidèles ba kozwa sango malamba ba kote yango na Afrique pe na mokili mobimba. Nde yango sali ekoya pona Congo, nde yango restauration ekoya pona Congo. Congo ezali pays oyo ekozala puissance mondiale. Toujours que bana nzambe ba mona sengote, bana nzambe baza toujours troublé. Boulou yeke na boulou yeke kota na kati na mokili oyo. Nde yango somona ba biloko wana ezo sala. Donc Satan aza bien organisé na ba biloko wana a côté si yango, bana wana baza na facilité ya kosala nyonso. Et ces esprits là, les démons, les gens qui sont incarnés dans bango, nous sommes dans ma camion, nous sommes là. Donc, toi, la période de mon goût, très très dangereuse. Grand merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue chez nous. Équilibre Télévision, toujours au cœur des actualités. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez devant vous. Jérémy Luemba, les renards du désert, nous allons essayer de parler encore une fois sur l'actualité, mais également sur les choses de l'esprit avec l'homme de Dieu que vous allez découvrir tout à l'heure. En tout cas, abonnez-vous massivement, partagez l'émission, likez, commentez positivement si cela s'avère nécessaire. On est là, alors... L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. Bonjour, là-bas, téléspectateurs, nous sommes partout dans le monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, papa. Tout démarrer la prière, papa. Éternel Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Dieu qui a créé ce monde par sa parole et par sa grande puissance. Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu le premier et le dernier. Toi qui connais la fin d'une chose avant que les choses commencent. Nous t'élevons cet après-midi. Nous implorons ta miséricorde. Ta grande puissance sur nous, Seigneur. Et laisse que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons Amen. Amen. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Et rappelez Bandeko, aux Anani, aux Otiwapi, et puis le nom de l'Église. Et je crois que ce serait très important. Nanaza, le prophète Guilenze, je suis d'abord votre frère, parce que nous sommes tous des frères. Mais Dieu nous a donné le ministère prophétique pour la nation et pour le peuple africain. Tous en église, corps de Christ, pour la restauration des nations. Donc je suis l'un, nakati na communauté wana, et nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. J'ai reçu l'appel en Angola, comme dans la fois passée, Dieu m'a commencé à parler pour la République démocratique du Congo, en Angola. Et Dieu m'a dit, le Congo est allé grande puissance. Congo est allé
pays où on va choisir yango pour évangéliser dans le temps de la fin. Esaïe 18, le premier jusqu'au troisième verset. Ce que tu as détaillé, au cours qui est dans le verset 7, dans Esaïe 18, cette vision-là, j'ai eu ça en Angola. Et ça, Dieu m'a recommandé d'entrer en prière pendant 21 jours. Le quatrième jour, tant on a commis le quatrième jour, Dieu m'a dit à partir du septième jour, au moment de ma cam. J'ai vu quoi? La vision d'Esaïe 18. Dans Esaïe, comment on a boutou. Vers 18h, 19h, Pongé, sur la côte, dans la côte, pour nous, on a vision. Vision, on a 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 et soudain, na moni il est enlevé spirituellement. Bou na mati likolo. Tant na mati likongo, likolo na moni carte ya RDC. Carte ya RDC a traversé par le fleuve. Bande ou tina Katanga, tina Lubumbashi. Et traversé. Abi au moni abi na moni. Abi ba soda na nga bako kita. Awa, qui sont mes serviteurs fidèles. Bako zwa sango malam bako te yango na Afrique pe na mokili mobimba. Nde yango sali eko ya pona Congo. Nde yango restauration eko ya pona Congo. Congo est un pays où il y a la puissance mondiale. Et il y a une partie qui est clé pour l'Afrique et puis pour le monde entier. Mais il y a un peu de temps où il y a un peu de temps où il y a un peu de. Là, c'était déjà en 2018 comme ça que j'ai eu cette vision. Et à partir de ce jour-là, nous avons dit que relater ma cambouébélé. Tant qu'on a outé Nicolas, il y a un quitté à quitté. On a quelque chose de voix isolée. À part lui, tu as la scope ici qu'on a outé. Tant qu'on a tali. Na monis kona sommet montagne moko niwe zipiso sommet montagne wana be clair ezay ou pasuka likolo papa papa voix zo bimakuna et gloire moko impossible ezay na sommet montagne wana soudain maman na moni vision na esili vision ezali na Esaïe 18 du 1er jusqu'au 7e verset ça parle de la République démocratique du Congo soko ke na Matthieu 21 verset 43 okokuta ezay proverbe ya finiron. Le Seigneur a envoyé premièrement les prophètes, ba persécuteurs qui bango, ba bouma qui bango. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Les sacrificateurs et les pharisiens, les juifs l'ont tué. Et le Seigneur a tiré cet royaume, il a mené ça dans une autre nation. Et la nation qui va produire les fruits, c'est la RDC, le pays que tu as choisi. Merci prophète Guylaine Nzei. Voilà. Je crois que Bandegoba Otalabiso. Mais d'après l'histoire, ba pasteur mi ba utara na Angola ba zarbandoki. Mini kuna ba simba kisi angoleza na yite yo au simba déjà kisi ba délivrer yo to na no simba kati. Non, nga na simba ba kisi te na kota pe sika mon côté. Et Dieu m'a apparu comment? Na sai lokwa ba tunyo sonde ba salala. Je travaillais aussi là-bas, dans la société moi à pétrole kuna, dans l'électricité. Dans la salle normalement et soudain j'ai rêvé là le président de la République Joseph Kabila na pouvoir. Mais dans la Angola, je les rêve à Zotin dans Guilé kende se langa bo. Guilé kende bo sous kaba. Ah mais mon tonne kuna zinyo ko la ba to souffrir mais comment? Parce que je l'aimais pas. Dans le comment na no Kabila nyo ko la ka ba tout et tout ça. Mais la vision au moins na Zotin na yo. Et j'ai expliqué un pasteur en Epson a dit ah, ils ont zambé, ils ont zo luko yo zo yebate, ce qu'on me peut citer au makambe au beba. J'ai dit nga maroté, ma pasteur en Italie. Et les choses sont compliquées, j'ai quitté le travail brusquement. Ma camion c'est baby. Tant ma camion c'est baby, n'a dit bon, batebele batasso makambe baby, faut ba luka zambé. Mais ngaï Bible kuna. Et au Coran, pour la ligne, ma camarade en musulman. N'a dit ba musulman kuna. Quand je cherchais Dieu, il m'est apparu automatiquement. Donc, et Dieu a commencé à me parler. Il faut zonga na place na yoti. Il faut zonga na pays. On a étrange, mais Dieu a compliqué ma vie. Donc, je suis totalement bouleversé. Et sa histoire moulaï. Merci. Jusqu'à ce que n'ayez au zonga na Congo. Voilà, merci l'homme de Dieu, c'était juste une parenthèse. Voilà. Alors, essayez un peu de développer sur l'actualité. D'abord, vous allez patriote congolais, vous êtes serviteur de Dieu. Tout le monde a un terme comme est belé, dans l'église, dans l'évangile, dans le bureau de Théabus sur le lot.
D'abord, tout le monde a dit, certains pensent que Azali est ange. Mais si vous que non, Azali est ange, Azali est fête. Bon, on a évité, le terme est Anouka. Et tant que pasteur de Dieu, vous expliquez son nom. Bon, Anouka, ils ont symbolisé fête à lumière. C'était fête à Badjif. Mais en réalité, ils ont masqué, ils ont masqué. Parce que ils ont célébré fête à lumière, il y a Lucifer. Or, quand on voit Lucifer, c'est l'ange de la lumière. Si vous avez un ange à lumière, la lumière, vous avez un ange à fête à lumière, vous avez un ange à la lumière. Et le monsieur qui met ce nom-là, Dieu nous a dit quoi, ce monsieur-là? Il va l'humilier cette année. Et vous voyez que... Donc, et puis, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 1er, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Le peuple de Dieu ne veut pas chercher Dieu dans la profondeur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 17, la Bible dit quoi? J'aime ce qui m'aime, et celui qui me cherche, il me trouve. Peuple de Dieu, dans un moment, tu as un moment très, très, très dangereux. Pourquoi? Tu as changé de mutation. Il y a leadership, il y a politique dans l'église. Et ben, si quand on a besoin, le monsieur lui-même, Dieu nous a montré. Vous savez, papa Jérémie, bah, donc, tu as un ango, et ça pour la biseauté. C'est pour les autres. Même quand quelqu'un qui se proclame, ou il y a un pasteur ou quoi que ce soit, bah, donc, on a un machakabatou, prophétie, ou il y a un baninga. Ce n'est pas pour nous. Et nous, quand nous voyons les histoires dangereuses pour le peuple, il faut le bayango. Le monsieur lui-même, dans sa chambre, il prie avec les bougies. Un prophète. Ah, oui, il prie avec les bougies. À part les bougies, à côté de la boîte de nuit, il prend les femmes et il est dans l'homosexualité. Donc, il y a un homme spirituel. C'est pour cela que tout le monde a bayango. Mais l'accès au sanctuaire de Dieu, c'est permis à tout le monde. Celui qui cherche Dieu dans tout son cœur, il va voir. À quoi discerner l'esprit? Il va entrer dans le sanctuaire de Dieu sans problème. La Bible dit quoi? Dans Matthieu 8, Matthieu chapitre 5, verset 8. Que heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Tout simplement qu'on s'est repenti, qu'on nous kanzambe, ou qu'on m'en ensemble. Et Dieu, quand on le voit, ma Cameroun se fait changer. Dieu, quand on le voit, tu as l'Esprit Saint, mais si que ça m'a bien fait mon appelé, mais si que ça a danger, il faut mon ango, papa Jérémy. C'est très dangereux pour l'homme dans un tel ango, j'étais quelque part, dans un monde, cet homme-là, soi-disant un homme de Dieu, rempli par de mauvais esprits, il est là comme un catcheur, il fait des spectacles et c'est désolant. Il y a un miracle, papa. Non, miracle, Ezali. Miracle authentique, Nzambe, Ezali. Il y a un autre chose qui est dans Nzambe, surtout dans le Congo, le peuple congolais. Peuple congolais, église, corps de Christ, ils ont envahi. Peuple congolais, il faut que le Nzambe soit en profondeur. Que le Nzambe soit en sanctification. Marcher dans la sanctification, la crainte de Dieu, la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ceux qui ont sanctifié, au église, au bar, au église, au bar, au brosser sur la massange, au église, comment tu vas voir la gloire de Dieu? Au gosse à la manipuler, à la fin, au gosse à la perdu. Parce que la vie que nous vivons ici sur terre, nous sommes des pèlerins. Il y aura un jour, chacun de nous va rendre compte devant l'Éternel. Et ceux qui ont toujours une ngwana, le pays va continuer à souffrir et battre belé parce qu'il en enfer. C'est que Isaac honorait embêté. Dieu nous a dit, il nous a rassemblés par l'Esprit. Il nous a dit, les prophètes de Dieu, il nous a dit, appliquer la loi avec fermeté. Cela veut dire quoi? Prêcher la parole, na détail na ngonyos avec fermeté. Parce que battre belé parce qu'il en enfer à cause. Il y a un mauvais enseignement et il y a un papa Jérémy. Donc, à nous, ils allaient à Bondo qui est juif. Voilà. Ils allaient à tout, pratiquer la culture, la secte, la cabale juive. Ils allaient à côté dans le christianisme, ils coopérer et ils allaient coopérer comme si étant des serviteurs de Dieu ou dans le Zambé. Or, ils allaient à la secte, ils introduire dans le cadre du réveil. Camouflage, ils allaient. Camouflage, ils allaient. Confusion totale. Ils allaient confusion totale. Ils allaient dans le Zambé, il faut les éveiller. Il faut que vous rempli le Saint-Esprit. Si vous avez rempli le Saint-Esprit, vous avez un peu sans baper sur l'explication. Voilà, ça c'est très bien l'homme de Dieu, mais également vous allez être responsable, vous allez père des familles, vous allez patriote, vous allez serviteur de Dieu. Oui. Papa, tout le monde, le lot, la vidéo, la pratique, nos jeunes femmes, nos jeunes filles, bah comme ils sont couplés na bambo à papa et bandeau qui le voit la blague mais tout le monde qui est atteindre dimension moko
très élevé. Il y a même des filles que nous connaissons ici à Kinshasa. Bana Bandal, Bana Beaumarché, Bana Limité, Bana Gombe, Oyotori. Oh, tu as répertorié Bango. La liste est combo, on a une photo de mon prostitution na bamboa. Comment tu trouves cette pratique là, papa? Vraiment pratique, et ça, c'est un signe, ils ont montré que nous sommes au temps de la fin. Parce que ce que tu as dit dans Matthieu 24, verset 12, la Bible dit que l'iniquité est qu'on se croître. L'iniquité est qu'on se croître comme à un niveau moko impossible. Nous sommes au temps de la fin. Batouana, bana basiwana zomona, soko olandi bien. Baza bana moko o bazo botama na ba mariage, bazo bota bango avant le mariage. Bible zo bana bisoni. Bible zo bina bisona Hébreux 13 chapitre 13 verset 4 que mariage soit honoré de tous et que les lits conjugales exemptent de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tant qu'on pratique l'immoralité sexuelle avant le mariage, on a eu un côté de moi, c'est un peu de temps. Et bien, on a conceptionné dans le moment, c'est avec les esprits. Il y a des femmes et des hommes de nuit, on a eu s'introduire entre nous. Alors, il y a un moment, on a eu des semences, on a eu des semences, on a eu des confusions dans le monde, dans le niveau politique, dans le niveau de l'église. Partout même dans le chantre chrétien, partout, c'est mon soin. Au moins, moi, je suis un peu plus de temps. Donc, c'est facile, il y a des simbakis. C'est une facilité, il y a des salababilokoan. Et bien, je suis un peu influencé. Au moins, je suis un peu plus influencé. Je suis un peu plus de temps. Il y a des gens qui sont un peu plus de temps. Ils sont infiltrés dans le niveau. Et le diable fait ça pourquoi? Pour qu'on détruit toujours. Que les gens qui sont en sengoté, les gens qui sont toujours troublés. Donc Satan a bien organisé na babiloko wana à côté si yango bana wana bazana facilité ya kosala nyonso et ces esprits là ba démons na bazouta na ba mai bazouta bazo s'incarner na bango ndozomo na makamo na ezo salama. Donc toi la période moko très très dangereux, c'est très profond l'homme de Dieu. Oui oui, donc bano babuta na ba ikobo wana, voilà. Bana wana, zemi kota na hotel, voilà, kuzu, ok, na ba sanzete, voilà. Ni bako ba teti na mutu. Donc tango li conjugal et se souiller, automatiquement présence à ma mauvais esprit. Tango bozo sa couple moi si na mobale, les mauvais esprits baza wana. Oh mariage, oh mariage, les mauvais esprits. Ba misu pe en plein mariage moi na moi si kwiti mobale kwiti. Présence à esprit en yak. Et ba ye ba injecté bino ba semence na bango parce que Satan azan na posa a rempli mokili. Azwa toujours trop na mokili. A régné en église, a régné na politique, a dominé. Nous avons nazo luka semence na yone sanine et kota. Yango mona ba ndeko bazo pratiquer mariage. Avant le mariage, il faut pas se repentir, il faut pas louer l'ensemble. Parce qu'il y a des femmes et des maris de nuit, au bas, ils ont ravagé Bino et Bosoué Baté. Et comme Bino, la conséquence est belle. Au moment, à la longue, vous allez avoir des problèmes, des maladies, des morts précoces à cause de Bino. Liste, il y a Bastien Mboua et Bimi. Oui. Pour moutons, on a moins si Mboua. C'est grave. C'est très grave. Il y a un moment, on a un homme, homme charnel. Bah homme charnel donc asa mutu mais asa ne le colle ni am donc bah homme charnel oh besoin que mutu donc ami pesi na ina makamu ya mokili ami pesi na makamu mongo donc ya masanga na makamba pam il est facile comme ça qu'au coucher na mbwa à qu'au coucher na ilo konyo surtout donc c'est très dangereux, c'est très dangereux comme il commerce bah fille ango bille to moni bah ango besoin bah salon de coiffure na Kinshasa bah sali bah restaurant bah créer bah terrasse. Donc, ça a mis ce que tu as à Dubaï, tout ça, là, va faire. Or, que, bah, tu es capable de boire et tout ça. Et est-ce que mon toi, mon toi, papa, est-ce que spirituellement, Azana va, à la mauvaise sorte, automatiquement, Azana a souillé. Bible, bien absolument, dans 1 Corinthiens 3, 17. Alors, c'est celui qui suit son corps, qui est le temple de Dieu, qui détruit son corps, Dieu le détruira. Automatiquement, il a souillé. A souillé temple ensemble. Et ça, bah, tout le monde, donc, bah, ça, on a qualifié, bah, on a dit, il faut pas la délivrance de plus vite que possible. Les sinon, hommes animaux. Oui, les hommes animaux. Il faut pas comme les chrétiens, pas comme les hommes spirituels. Et ceux qui vont continuer les hommes animaux comme ça, ça sera difficile pour eux. Il y a un moment où bateau est belé, même mouton normal, ceux qui couchent dans la basse en dengwana, automatiquement tu es possédé par des mauvais esprits. Et que c'est un faux bas délivré, et que c'est un faux bas ensemble, bah, procéder rebellé pour se la libérer et au revenir dans le Seigneur. Voilà, ça c'est bien éclairé, le prophète Guylaine Zéhi. Je crois que beaucoup de parabas au Talabiso, nous devons savoir d'abord éduquer nos enfants. Éducation, on en a un d'accord.
avant comme à l'école, même l'église, toi encadré ma jeune fille. Toujours mon abat là-bas, c'est qu'on a pas mis tout quand on a basé comme là-bas, c'est bambou. Et ça fait tellement mal. Et pour bimina moi c'est bon, on tire là-bas semence. Bah problème, mikumba, ce n'est pas du tout bien. Je crois que l'homme de Dieu a prodigué un conseil. Et puis, si ma commis a déterré, je crois que ça va nous servir d'exemple et de leçon. Alors, papa, c'est vrai, tout ça, il y a beaucoup de réalités. Et bah, nous savons que du 2 au 5 juillet, papa, je suis à Congo. Je suis allé serviteur de Dieu. Je crois que arriver à papa, il faut mettre fin à la pratique. Il y a la guerre, le problème, tout ça, il faut aller les saints-pères. Tu vois, Dieu m'a montré dans une vision Bata, babaza, yekoulia. Bata, babaza, yekoulia. Bangombe baye ya minene bangombe baye ba bengani bataba wana bazui biloka bataba bangombe babandi kolia yango. Donc j'ai demandé à Dieu et image linko lo banini nzamba zo pisangani alobi omoni bataba ndenga baza dispersé ezali ban ezanini ezali ba congolais baza dispersé dans le monde à cause ya nini, à cause ya bangombe qui sont les grandes puissances. Et la ma grande puissance, on est dirigé par qui? Ils sont dirigés par Moto Yotangi Wanazoya et les États-Unis d'Amérique. Bango ne va se contrôler le monde. Bango ne va diriger. Donc, Vatican peut diriger le monde. Si Bango, mon conseiller église, Bango ne va diriger le monde. Bango ne va pas. Ils ont pris même nos autorités en otage. Bazu même bako sinabisa en otage, l'Afrique en otage. En otage, bazu dicté bango, bazu ba richesse en boka ba confisqué. Et Dieu m'a dit quoi? Alors, Dieu m'a dit à l'église n'est pas censée il y a qu'on récupérer l'héritage, il y a qu'on songe sur le peuple congolais. Église, il y a déranger Bandimi, il y a qu'on escroquer, il y a qu'on intimider Bandimi, il y a qu'on tout ça. Mbongo ezali na richesse on zamba tchèque pour l'évangile. Nzamba zo sanga ba richesse on a tchèque ezali pour l'évangile. Ce n'est pas pour ba tumoko ba s'accaparer nango ou bien ba grande puissance wana. Alors je mets mon armée au ezo ya ko remplacer siko ezali pour na ko récupérer héritage wana ko kabola yango na ba congolais et pour héritage wana c'est pour l'évangélisation na tango asuka. Na matière tokota na on a verset biblique ce tokota ngo très rapidement. Tokota ngo na Matthieu 24. Tout autant en Matthieu 24, tout autant très rapidement Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Et le verset 14. La Bible nous dit quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La nation qui est censée d'annoncer la bonne nouvelle, c'est la République démocratique du Congo. Nde yango nation o Zambache pour être évangile. Soko ke na Matthieu 21 verset 43, la Bible nous dit c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu ko longa na ba juif et ko longa na ba israélien sera donné à une autre nation pour en rendre les fruits. Le royaume de Dieu est Kolonganaba Juif, la nation que Dieu a choisie, Onzamba Poni, pour porter le fruit à l'évangile. Au côté de Sangokilimo Bimba, c'est la RDC. Ah, papa, Congo va passer à l'Okuta. Mais va passer à l'Okuta. Il y a un moment, 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 il y a un jugement. Dieu dit, il a changé le leadership, il n'y a pas de politique. C'est une église. Armée, on a fait ça, la Moussa, on a fait ça. Est-ce que la nation est l'Égypte? Non, ce n'est pas l'Égypte. Et ça, l'Éthiopie. Deuxième né après Israël. Le deuxième né après Israël, c'est la République démocratique du Congo. Tout ça, on a Esaïe 18. Pour qu'on soit aidé bien. Tout ça, on a Esaïe 18. La nation, on a fait pour nous. On a fait que nous avons une nation sainte. Dieu veut que la République démocratique du Congo soit une nation sainte. Il y a un peu remarqué qu'à chaque fois, les Israéliens. Parce qu'on pratiquait l'idolâtrie, ça m'a frappé. Esaïe 18, c'est le bini. Terre où retentit les clics des armes. Esaïe 18, premier verset. Au-delà du fleuve d'Éthiopie, toi qui envoies sur le mer les messagers dans les navires, des joncs voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, dont le pays est coupé par le fleuve. Les pays où retentit les armes, et ça, en Afrique, on a retenti pendant 20 ans, au Mindou, qu'ils ont bêta. Et ça, dans l'Est, il y a Congo.
et pays où ils sont coupés par le fleuve. Fleuve est traversé presque comme Mobimba. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Donc, évangile, écoutez, à Mana Congo, au Nzamba Poni, Mokili Mobimba, pour nous sanguer sa peuple en Zambé. Et les richesses que Dieu a mis ici, c'est pour ce travail-là. Les pasteurs arrêtaient de déranger les fidèles. Dans la nouvelle alliance, les offrandes se donnent volontairement. Pas question de dîmes, pas question de quoi. Les offrandes se donnent volontaires. Dans un livre des Corinthiens 9 à 7, la Bible dit quoi? La Bible dit ce que celui qui donne, donne avec ce qu'il a. Sans contrainte. Au moins, il y a des évangiles qui sont bons. Évangile et aussi un bon, c'est normal. Bon, on conseille à ma bête, mais qu'on impose t'es qu'on intimide bah tout forcing, c'est ça le problème. Forcing t'es parce que Dieu a passé la vitesse mon supérieur. Vous allez voir ce qui va se passer. N'a mon cercueil mon qu'on a limité. Il y a pasteur mon qu'on a limité. On le dit cercueil mon qu'on va tirer bah toi zolé là. Il y a pasteur mon qu'on a limité. Au moniango, il y a moniango la vision. Oh, il a voilà. Il a signé. Il a signé Koufezali. Koufezali, Bangba, toi, ne faut pas se repentir. Bah, Lukanzambe, sincèrement. Bah, tu es un otage. Bandimi, Baza, Nzambe. Si tu es un Moussala, Nzambe, Tindi, yo, Ozo Kokate. Zonga pas Kolo Moussala. Yemo, Ozo charge na yo. La Bible dit que tout ouvrier mérite son salaire. Si tu travailles, Ozo Sale, Nzambe, Nabo Solo. La simplicité, Nama Kambounio. A ta bandim, Bado Pesa, Ote. Dieu va te donner. A quoi si c'était même un corbeau, comme il a fait avec Eli. Voilà. Voilà, c'était tellement sage. Merci à Yael Ouzomba, là, de Madrid. Le vieux Gérard Saddam, dans Manchester. Le vieux Bobo Batombo et Maman Lami Bekantoy, dans Londres. C'est Maman Yassi, femme légitime, agence Maman Yassi, Forza Italia. Bon rétablissement à toi, c'est Maman Yassi. Je n'oublierai jamais Maman Clotilde Bondo, le plafond des Rennes. Assadie, ma force est tranquille. Le vieux Guillaume Atone, de l'homme à portable. Le boss est Chicha. Et pourquoi pas maman Claudine Louye depuis Kinshasa, maman Sarah Lina Wimbi aux États-Unis, maman Fifi Longo à Londres, maman Espérance Asutu, la mère des archanges depuis la Belgique, maître Siza Soukama, puissance Amikili, les célèbres Dien Zundu à Washington. Je vous aime beaucoup en tout cas, merci pour la confiance et aussi merci pour la fidélité. L'homme de Dieu, c'est vrai, nous avons cassé la Bible, nous avons cassé la connaissance, mais est-ce que Batouba Rota peut espoir dans le monde? Espoir et ça n'a pas un mot espoir, bah tiens quand on parle ensemble. Au second, Bible, Zambazo banabiso bien. David a lobi en haut, a lobi. Celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Eli qui a pas l'engagé, Eli qui a bah tiens quand on ensemble. Au second, n'a papa. Donc celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Dieu on le cherche. Il y a aussi des conditions pour chercher Dieu. Et la Bible dit dans le livre des Psaumes. Psaume 24, au bandit à partir du 2e, 3e verset, la Bible nous dit que qui peut monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèverait dans son lieu saint, c'est celui qui a un cœur pur et les mains innocentes. Les mains pures et les mains innocentes. Ce qu'on a sali repentance, au Lukin Zambé Nayo, Zambé a commis Monissa. Et Dieu aussi a envoyé les cinq ministères, les hommes de Dieu sont là. Dieu, on les cherche. Celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Matin, on a autorité la semaine passée, dans l'église. Il y a un mot. Donc, à toi, Soumouki, si tu es confiance, c'est pas un Zambé ou l'imbissant. Côté, les Soumou, ils ont les Soumou, ils ont ça inconsciemment. Les Soumou, ils ont les Soumou, ils ont ça, ils ont ça, dans 8 mois, ils ont ça, dans un hôtel, ils ont ça, dans un Zambé ou l'imbissant. Non, là, tu cherches des problèmes. Oyibike eloko na mbongo na kuti likola mesa za mbongo na ngaite mbongo abatu soki na zio ngo kolo na ngo kolele za lisumu meyo ke ozui obina osenga za bolimisi non masumu ezaba ere et le plus grand péché de l'iniquité c'est le péché d'Adam toki muto yambi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en ce moment-là tu deviens enfant de Dieu et le sanctuaire de Dieu est ouvert pour toi et maintenant il faut autant avoir toujours la sanctification et la crainte de Dieu. Alors, pour nous, nous avons des maladies, des problèmes, des soucis, des inquiétudes, des stress. Nous avons dit papa, vous allez prophète. Et est-ce que si vous consultez, nous avons dit est-ce que vous prier vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit solution vous avez dit que bon, avant de répondre, nous avons un message que nous avons dit pour notre autorité. Il y a un mot, autorité politique et ecclésiastique. Dans le livre Exode, chapitre 4, verset 22 à 23, la Bible dit que
tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Israël, c'était le premier-né. Et maintenant, le deuxième fils de Dieu, c'est le Congo démocratique. Les autorités de notre pays, les autorités ecclésiastiques, Dieu dit, il va ôter le premier-né. Et ça, jugement. Botique à peuple congolais servir Zambé. Organiser l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont des hommes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit, nous sommes les temples de Dieu, là où l'Esprit de Dieu habite. Les églises locales, et ça, organisation. Mais l'église, ce sont des hommes. Organisez les hommes de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Sinon, le jugement vient et qu'on a l'icône. Et Dieu dit aussi, le peuple congolais, ne suivez pas ma marche, il y a ma politicien, quel que soit de gauche ou du pouvoir ou de l'opposition. Personne sans la vision de Dieu a opéré ce qu'on a congolais. Regarde, il faut tourner vers Dieu. Répentez-vous et convertissez-vous. Le royaume de Dieu arrive déjà en République démocratique du Congo. Donc, message, tout à l'heure, il y a un problème. Bandeko Bazan a un problème. Tout à l'heure, il y a un problème. Il y a un proverbe 8, 17, Babi. Dieu aime ce qu'il aime et celui qui les cherche les trouve. Dieu, on les cherche. Osa na ba problème e kanga yo baba ndoto ya mabe ba makamwa mabe ba maladie moko incurable. Osa na ba makamoko boyo eza na solution te. Dieu est là pour toi et Dieu nous a envoyé pour ça. Dans le livre à Zacharie 1 au kitina 18 17. Il y a les quatre cornes qui sont les quatre puissances sataniques que le diable utilise. L'immoralité sexuelle. Osa na ba toso pratiquer mariage avant le mariage. Immoralité. Même les mariés, et ça produit des problèmes. Le problème, c'est la délivrance. Les hommes de Dieu sont là pour faire ça. Il y a le deuxième, l'esprit de religion. Esprit de religion. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est un esprit de religion. L'église est bâtie sur la révélation. Ce n'est pas ces religions-là ou les dénominations. Non. Clique, wana. C'est cet esprit-là, n'est garakabat. Au moins, mutumo gazawana po zambatini mutumo pas pesé booster ou soit les canaille fois traitant mais il a dit non, biso zaboye. Biso ba jo baptême de Jéhovah. Baptême de Jéhovah. L'esprit de religion, neko na zo senga na yo, même aux musulmans, même aux nani. On s'en a pas problème les autres ça. Contactez les hommes de Dieu. Et Dieu a envoyé ces quatre forgerons pour exterminer n'a pas problème aux anango. Aux anango pas problème belé, aux anango tourmenté. Na ébité na ko continuer sous ce cas troisième puissance à Satan, idolâtrie, aimer quelque chose plus que Dieu. Au moins la mutuma alingi basi ko le kanzambe. Le kanzambe ali ko kango te sur a dit ka biloka pamba. C'est l'idolâtrie. Quelqu'un qui aime les habits, alingi bilamba esprit wane côté ming na ba kongo. Batu balingi bilamba. Utalingi mbongo ko le kanzambe. Utalingi mbongo ko le kanzambe. Bien-aimé, faut se repentir. Il faut qu'on prie pour toi. Et ça, esprit, il y a idolâtrie. Et c'est ça, l'esprit, bah, et Dieu envoie aussi ses serviteurs pour finir la Babylone. Tous les gens qui sont en Zambé, Dieu nous a envoyé pour vous. Et nous avons dans 1 Jean 4, premier verset, il faut éprouver les esprits. Bon, là, tout ensemble. Est-ce que mon toit zolo batam sel ensemble? Dieu est là pour tout le monde. À ça, pourquoi on a battu mon côté? Merci, l'homme. Donc, rappelez mon numéro de contact. Numéro Nabiso Ezali, plus 243 85 18 55 709. Ce que vous avez dit, Ngamoko, Nayambara téléphone, Nangai Ngamoko, plus 243 85 18 55 709. Voilà, merci l'homme de Dieu, le prophète Guylain Zéhi. Je crois que Bandeko va saisir numéro Malamouté, il est affiché au bas de vos écrans pour plus de contacts, dialogues, consultations, prières. Question, l'homme de Dieu est toujours disponible pour vous répondre. Quant à moi, je vous dis merci. Je vous dis merci. Merci à tout le monde en tout cas. Merci pour vos soutiens, votre particulière attention. Abonnez-vous massivement. Et également, je vois, il y a Papi Ngolo de la Louvière. Soyez bénis. Il y a Papi Sapo en France. Et Serge Loco qui est le mannequin d'Orléans. En tout cas,
les vieux Batombo Bobo, les conseillers Papa Philippe Kabouy Kouna Fribourg, la Suisse-Irlande, les géants de Berne et de Kouré Immortel, décrit ce Condé, un bon tonton à Paris, je vous aime beaucoup. Voilà, moi je vous laisse. Papa, priez pour Nabango. Hein? Oui, oui. Nazoeb Savandeko, dernier corne, c'était quoi? C'était la sorcellerie. Donc il y a quatre puissances que le diable utilise. L'immoralité sexuelle, la sorcellerie, l'idolâtrie et l'esprit de religion. Ozan ba makamwa neza utungisayo, ozan ba problème, misa musala ezate, bazo nyokola yo mikanda, même partout en Afrique, vous avez des problèmes, Dieu nous a envoyé pour ça. Et appelez-nous, nous allons prier, Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Nazo sambela pona yo muto zobela, nazo sambela pona yo muto ozan ba problème, olota bandoto amabe ko bota ezate, simaka loboko na nga place ozali, na kombo na Yesu Christ. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Seigneur, tu élevé puissance na yo na création mobimba. Si ka banda ko bande ko bazali. Ba ba sana ba problème sans mais pe sa solution. Ba ba la la kate bando to ma be. Seigneur, na roté en nom puissant de Jésus-Christ. Pauvreté, sécheresse, humiliation na longo le ngona ba fina bino na kombo na Jésus-Christ. Tika été grâce ensemble za liko na bino. Tika été banda ko na bino sanga ya kolia te. Tika été nzambe accompagner ba fina bino na kombo na Jésus-Christ. Wazali mo ko si pas mo bix na biso. Amen. Merci mes frères et sœurs, Zamba Pambola Bino, partout du Sigamozo Landanga en direct. Ils ont un numéro dans le PSA. 0033-766-27-4002. C'est votre frère, Père Condé Israël, sacerdoce et rataraté. Zamba Pambola Bino. Message à vous pousser dans le cas où PSA Bino. Tosa Anambok à Paris. En Europe. Nous avons le bien en gagne. Makambo nous sommes au Congo. En Afrique, au Salangwa. Je me suis dit, nous sommes au Londres. Nous avons le bien en gagne. Banda au. Tu vas dire Zamba et Mangengi au. Na Paris. Na Katia Zamba ou ya Mangengi. Tu as le Sambe la Nzambe la Bombe. Na Moni, na Katia Hiver. Bat Bazo, tu as des parés d'autres Bazo à Nzamba. Bazo bika ba zo ba délivrance impossible. Mais pour comprendre nzambe lobelenga azan nzambe ya bomoi. Nzambe ya dina bala. Nzambe ya papa nanga apotre bolia. O ya bondela pona nga. Na moni makamuzo sala ma ana Paris. Tozo forcer le côté ba ba bika ba zo ba délivrance. Ya ngone ko e bisani. Kanne mo zo landanga. Soki nzambe yo meka kufa. Na bonde lio na kombo na Yesu 2022 meka non zambe na ngai. Joa numéro na kanaka. So meka non zambe na ngai. Na ebisio ezali kambu ya tikota. Na zomo na ba guérison ba délivrance ba femme stérile ba ozwa zim. Ba cancer ezo limwa. Ba trouble ezo longo. Force mal ezo disparaître. Na zomo na ngona misu na ngai ba tumaladi ba zo bika. Bato ba problème ba ozo solution bato yo ya mabe bazo kangolama donc na morning zam de kosala et belé bazo continuer pour ça ya mona bonde lio na kombo na Yesu ko désespéré ti ko mona te ko sambela trop sur l'ennemi message na ngeya na pa bato ba désespéré tu as beaucoup prié mo zo le côté mais quand on zam de na ngai ndeko zo la nga siko zo adresse mercredi na dimanche. Dans le service, il y a haute spiritualité. Et le poétique de la vie, c'est la spiritualité. Mercredi, na dimanche, 15h, service au Salam. Ouak. Tu as la Saint-Denis. 9 rue de la poterie. Na Bandeli. Na Saint-Denis, la 9 rue de la poterie. Si tu as mercredi, na 15h. Et avant moi, spiritualité. Yo ni nga moli moyaka. Dimanche, 15h. Na 9 rue de la poterie na Saint-Denis. Viens. Au monde, nous avons là. Partout, nous sommes en Europe. En Belgique, en Allemagne, Suisse, partout. Coïncidez nous. Zamba, au monde, là. Miracle, nous sommes là. Quel mébélé. Ce que tu as besoin à Saint-Denis, ils viennent témoigner. Nous sommes invités dans le dimanche. Quand nous sommes là, nous sommes invités à dimanche. 15h juste, yaka. Yaka na libotana. Mon maladie est impossible. Nous avons besoin de possible.
omoni ndenge ba condamné yo condamnation ezo longwa na bi dimanche o yo za pona yo e yo ka pona souci si loi 2022 yango yo eza na mois de juin mais mois de juin le 11 les gens viendront témoigner mais ngai na yo toyana 9 rue de la poterie Saint-Denis dimanche 15h service prophétique et banni mercredi 14h 15h service et banni yaka soit numéro pour moi 0033 7 66 27 40 02 moi tant au benga enregistré numéro sur WhatsApp prophétie na yo isali orientation na yo isali kan no zolanda siko sam de nanga pambola dino partout du sika bozolanda na vie partout du sika bozolanda na siloé 2022 nzamba lobi nanga sambela pona ba aîné de la famille sambela pona ba femme stérile sambela pona ba to bazala ba maladie incurable sambela pona ba to bazala ba mauvais sort sambela pona ba to ba envoûté bango sambela nzamba lobi nanga la sambela célibat prolongé ba piège toujours zolanda ola makambo mikanda makambo nyoso za nango viens nous allons implorer la grâce du Seigneur. Quand nous avons le numéro, nous avons le numéro de Sikoy. Nous avons le père connu dans la carte de France. Dans la carte de France, mais dans la place où nous avons n'importe quelle place où nous avons. Tu vas témoigner ce qui est là. Si nous avons le numéro de Zamba, visitez Bino partout. C'est votre frère, père connu Israël. Zamba Pambola Bino. Merci.